Aujourd'hui, nous sommes là, Seigneur, pour la faveur que tu as fait à notre pays, Seigneur, de fêter encore le 51e anniversaire, Seigneur, de l'accession à l'indépendance. Merci pour la grâce. C'est une prière profonde du pasteur du centre évangélique Laborne de la ville d'Eboma à l'occasion de la célébration du 52e anniversaire de l'indépendance de la RDC, commémorée chaque 30 juin de toutes les années depuis 1960. C'est un culte d'action de grâce auquel ont pris part toutes les autorités de la ville d'Eboma, représentées par le maire de la ville, les différentes formations politiques et la population. La prière a été plus focalisée à cette situation qui prévaut actuellement à l'est de la RDC, d'où la présence à ces cultes d'action de grâce de quelques éléments de FRDC venus pour prier pour leurs collègues. Les ressortissants de l'est du pays vivant à Boma n'ont pas voulu manquer cette occasion. Le message que nous avions suivi, que nous devions aller vers Dieu pour prier, afin que la paix règne, l'unité règne dans ce pays, puisque nos amis de l'Est, moi je suis ici, président des ressortissants de Kivu Holding, c'est-à-dire Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema. Alors, nous sommes à cœur avec nos frères qui sont là-bas. C'est ainsi que nous avons passé cette journée sous la méditation. Pour une telle cérémonie, il y a de quoi toujours louer Dieu créateur du ciel et de la terre et de le placer au sommet du pays afin de bénéficier pleinement de sa grâce divine et de sa paix.